Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Quest 4, l'épopée des élus, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, désolé pour la dernière fois, je ne savais même pas que j'avais pas de son sur mon record, parce que quand j'avais record, j'avais du son, et quand j'appelais de la vidéo, il n'y avait pas de son. Enfin, le son de mon micro, pardon. Et du coup, j'avais décidé de retourner cet épisode, pour que vous ayez quand même le son de ma voix, afin que je vous explique quand même ce que je fais, histoire que ce soit plus intéressant. Et en refaisant la quête de Ankofman, le village, j'ai obtenu la griffe de feu. Comment? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais exploré que la partie droite du château, et la griffe de feu se trouvait à la partie gauche. Et qu'il y avait aussi la deuxième âme du sultan dans la partie gauche, voilà, tout simplement. Et du coup, je me sens très content de ne pas avoir fait cette quête, parce que j'avais totalement oublié qu'elle donnait accès à la griffe de feu. Je me souviens de pourquoi je faisais cette quête, alors que pendant le let's play, je ne l'ai pas du tout fait. Mais bon. Alors, du coup, pourquoi je suis Azimu? Non, je n'ai pas expliqué, c'est parce qu'on est au chapitre 6. Et le chapitre 6, c'est le post-game. Et il faut aller ici. Car comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique trou qui est apparu. Et il va falloir explorer ce trou. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, j'en sais rien. Enfin, moi, si je sais, mais voilà, c'est pour laisser le suspense. Hop, on est parti. Alors. Ouais, alors, au nord, c'est la suite. Moi, je vais là, droite, histoire de récupérer 2-3 items à droite à gauche. Oh, on dirait des smilodons, mais c'est pas des smilodons. C'est vrai qu'il est stylé, fond. Par contre, comme je suis con, j'ai fait attaquer avec Borian. Pour l'instant, je vais laisser ce combat-là. Et si jamais il y a énormément de combats qui sont plutôt longs, je accélère un petit peu tout ça, histoire de dynamiser. Histoire dynamisée, j'allais dire. Ah oui, j'ai trouvé un passeur de météores aussi, du coup, et je l'ai donné à Curie. Comme ça, j'ai une priorité sur les soins avec lui, vu qu'il est ultra rapide. Ouais, du coup, je suis garanti de soigner chaque fois. Ça sert à rien de le donner à Lina. Alina, elle est très rapide de pas. Je pourrais le donner au héros aussi, mais je me dis, c'est peut-être mieux qu'il tape un peu plus fort. Surtout qu'il a, ouais, 104. Ouais, je sais pas. Ah, est-ce que je lui donne le petit foulard d'Hermès pour qu'il soit plus rapide? Pour l'instant, le foulard d'Hermès, c'est Ragnar qui l'a. Parce que j'ai rien d'autre pour augmenter sa puissance. J'ai essayé de me soigner, mais je pense que. Ouais, voilà. Ok, niveau 42. Pourquoi pas? Est-ce que les autres sont. Non, les autres sont pas là. Bon, je compte un petit coup de soin complet. Ah, il y a un coffre ici. Ok, il va falloir faire le tour. Par contre, la défense, elle marche différemment dans ce jeu. Oh, oh, petite bague de choc, vas-y. Normalement, quand un ennemi se défend, il se défend sur tout le tour. Et pas quand il a joué son action. Là, du coup, il s'est défendu, mais comme il a pas fait son action, du coup, ça n'a pas marché. Il a juste floppé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vu la gueule du coffre, ça va être un très bon item. Alors, le petit coffre, qu'est-ce que... Oh, je pense qu'il m'a looté une graine de vie. Vas-y, je prends. Vas-y, à qui elle?
Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une feuille de Draxul, oui. Est-ce que c'est... Ah, je pense que c'est pas mieux de faire évac. Ah! Je m'attendais pas à ça. Bah, on va faire un petit solo vert, je pense que tant qu'à faire. J'ai un petit peu la voix enrhumée, je suis désolé. Du coup, on y retourne dans la grotte. Alors. On va encore passer par là. Allez, on monte ici. Qu'est-ce que nous avons? Oh, tiens, on dirait. Ok. En deux jours, on a trouvé la suite. Une petite mini-médaille. Ah oui, du coup, j'ai plus de mini-médailles parce que, bah, en explorant la partie gauche du château, j'ai obtenu masse de mini-médailles. Pas mal, hein. Qui est en rien de ce côté, il faut le dire tout à droite. Je crois qu'à gauche il y a un truc. Une graine d'agilité, ok. D'ailleurs, pourquoi j'ai un petit de conjugation avec le Borgue? Ah ouais, oh! J'ai plein des graines d'agilité en fait. Ok, plus 3, c'est pas mal. 107 d'agilité, bon, c'est pas extraordinaire. Ah, dommage. Ah, les photocopieurs. Alors, eux, ils sont intéressants parce qu'ils copient l'un par un de nos personnages. Vous allez voir. Bon, pas sûr que celui-là. Et du coup, voilà, moi, je m'amusais à essayer de voir tous les sprites de tous les personnages. Ah oui, et du coup, comme dans Pokémon, il copie aussi nos attaques. Hein. Le mien. Attends, on vient de me loot cet item? Ah ouais. Alors, cet item ne sert à rien dans le Dragon Quest 4, mais il est utile dans le lore du 5 et du 6. Voilà. Du coup, je suis surpris de l'avoir. On va voir qui. J'attends juste de voir qui est le. Et après, je skip le combat. Bah non, celui-là, du coup.
Je pense à gauche, il y a un truc. Et que en bas, c'est là. Ah merde, c'est là la suite. Alors, est-ce qu'on va, descendre hein? Est-ce que j'ai besoin de me soigner? On va peut-être se soigner en vrai. Qu'est-ce que nous avons? Mini médaille, très très bien. Je sais pas s'il y a un truc dans le puits. Bah, il y a rien. Hop, on entre dans la maison. Ah oui! Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je suis un peu devant du monde paraître. Je vais vous donner un petit conseil, je vais être au fond de ce puits. Parce que nous avons une médaille. Une mini médaille. Je suis à 47, ouais, c'est ça. Très très utile. On va aller faire un petit saut à l'auberge. J'espère que vous avez dormi, ouais, t'inquiète. Alors. Chercher les petits coffres. Une graine de magie, ça c'est bien ça. Ça c'est moins bien. Ah non, je pensais que j'allais faire plus de dégâts vu qu'il est de métal, mais pas du tout. C'est un flop. Ah, ça va Il est là, le double de Kirill, enfin. Bon, les gars. Oh, le mec, il fait premier secours. Alors qu'il a très peu de PV. Est-ce qu'il y a un truc à droite? Oui! Ah! Super. Ah non. Ah oui, il y a un coffre. Et nous avons... Ok. Pourquoi pas, hein? Oh! Je me souvenais pas de cette partie-là. C'est un petit peu labyrinthique. Bon, ça devrait aller. C'est pas l'air si grand que ça. Oh, un petit coffre. Super.
Oh là, tu peux fouiller tout ça. Ah. Oh, d'accord. Bah, coucher. Viens, on va l'ouvrir. On va se soigner. Ah, je suis perdu, c'est ça? Je fais un truc parce que c'est un petit peu chiant. Voilà. Je suis revenu en arrière. Bien joué. Ah non, c'est la suite. Ok. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ces chaussures. Si je dis pas de conneries, ça donne de l'XP à chaque fois que je marche. Ouais, c'est ça. Ça donne de l'XP. Ouh, la chance. Oh, oh. Oh. La chance, c'est pas mal en vrai. En plus, ça redonne beaucoup de. Ça donne pas mal de chance. J'hésite à le donner à Litna. Bon, là, je le donne au héros pour qu'il ait un peu plus de chance. Donc de faire des coups critiques. Vas-y. Alors attends, je suis là. 873 millions. 123, ok. Ah oui, mais. J'en suis à 56. Ah ouais, ça marche. Eh ben dis donc, c'est vrai qu'il est très long ce donjon. C'est le donjon le plus long du jeu. Il est tellement long qu'il est en deux parties d'ailleurs. Non, c'est pas là. C'est là. Pas du tout. Qui a besoin de PV? Je dirais Kirill. Faut que j'aille de l'autre côté. Hop.
J'ai pas du tout failli perdre Boria sur un coup critique. Je vois pas pourquoi vous êtes effrayés. Oh! Oh oui! Oh merci! Oh j'en rêvais! Oh! Merci! Oh la griffe de cobra! Dans mes veines ça! Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est quoi, vous allez tester la toute puissance de la griffe de cobra? Oh, ça c'est con ça. Bon bah on va pas soigner. Il faut que j'aille là du coup. Je prends ces escaliers. Et on se tombe. Je crois que il faut que j'aille à droite pour voir les coffres. On va y aller. Oh là là, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Lui aussi fait mal. Encore 20 000, je pourrais avoir une armure de mercure en prenant des examens. Ah dommage, du coup critique, je suis pas sur le bon... Si jamais c'est... Mais c'est le héros que j'ai mis le coup de chance, Lina. Ah oh, ça y est, elle a obtenu sa griffe de cobra, elle est toute contente. Oh, elle fait un carnage. Oh, t'es sérieux? Ah, du coup, je fais tout ça pour une boîte de Pandore, là, tu sais. Il veut quoi le Cleps, là? Oh non. C'est vrai que je peux le poisonner. Mais ça sert à rien parce que le poison il marche pas. Prends l'escalier, on repasse, et voilà. Ah, j'aime cet endroit. Et ben ça va être parfait pour s'arrêter, voilà, tout simplement. Parce que nous sommes dans la deuxième partie du donjon. Du coup, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, j'ai chopé le petit coffre ici, qui est... Eh ben de l'argent. Du coup, je vais vous laisser, et je vais vous dire à la prochaine pour la suite, qui sera du coup... l'avant-dernier épisode, hein, voilà, tout simplement. Je vous l'annonce parce qu'il reste pas grand-chose à faire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.